Antoine Deza, Gordon Deza et Alexandre Deza. Non, Jean-Michel Deza, il n'y est pas encore. Alors, retour sur nos achats du mois d'août, nos petites rentrées du mois d'août. Il n'y a pas que des achats, il y a des trucs qui nous ont été gracieusement offerts. Bien sûr. Tu sers à rien, hein, franchement, c'est pour dire bien sûr. En effet, c'est pour dire des mots nonobstant. Donc, on va vous présenter tout ça. Après le générique. Alors, qu'avons-nous eu cette semaine à Ajaccio, hein, qui nous ont été offerts par notre ami Julien de la boutique jeux vidéo de l'espace culturel du Leclerc de Baléone. Donc vas-y, présente-nous un petit peu. Alors on a fait l'unboxing du petit sachet qu'il m'a donné à la fin. Enfin unboxing, un grand mot. On a ouvert le sachet, on a regardé et on est resté un peu bête. Alors on va commencer par un truc très sage. Donc un petit jeu Master System Olympic Gold. Donc un jeu de sport des Jeux Olympiques. Putain, tais-toi. Bon, ça, quelque chose d'un petit peu plus rare, un petit peu plus sympathique. Un jeu Engage sous blister. Vous voyez, hein, il est encore tout scellé, tout ça. Un jeu Engage sous blister, donc Puzzle Bobble versus. Donc sympathique, je n'ai pas la Engage, mais pour la collection, très très bien, très très belle pièce de collection. Ensuite, il m'a offert deux jeux PS1, mais japonais. Donc celui-ci, c'est Fighting Illusion 5, K1 Grand Prix 99, c'est ça? Non, mais il faut lire en japonais en fait. Alors, je vais le lire en japonais. Ouais. Fighting Illusion, K1 Grand Prix. Grand Prix 99. Tu parles comme un Kamen Rider. Bien sûr, ok. Voilà. Donc oui. Voilà, donc celui-là, ah, oui, oui. Il est complet, ferme ta gueule. celui-là, il est complet avec la notice. Ah, mais attends. Comment c'est fou? Ah, en fait, et eh oui, avec la, en fait, chez eux, la notice, c'est la jaquette. c'est pas rigolo. C'est juste, c'est juste différent. Alors, la différence entre les jeux PS1 européens et les jeux PS1 japonais. Bon, je savais que c'était déjà la boîte qui a un format CD classique, comme vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus facile pour faire des remplacements de jaquette quand c'est cassé. Tandis que nous, Européens, on a eu des formats de boîtiers vraiment très fragiles, avec un système de jaquette un petit peu bizarre, qui avait des fois du mal à tenir. Et surtout que bon, s'il manque la jaquette ou la notice, eh ben, ça perd de la valeur. Tandis que là, ils ont très bien réfléchi, j'ai envie de dire non, ils ont même pas réfléchi, ils ont fait ce qui était le plus naturel. Donc une jaquette notice, mais c'est vraiment pas une jaco notice. C'est nous qui sommes cons en fait. Bien sûr, jaco notice. Voilà. Nous sommes très cons. Un deuxième jeu japonais, Andretti Racing. En japonais, Andretti Racing. Andretti Racing. Non, mais c'est italien, regarde, c'est Andretti. Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est italien. Et Andretti. Ils l'ont importé au Japon et puis nous, Andretti. Donc, même chose, voilà, la notice en fait. Et je savais pas, hein, c'est mes deux premiers jeux japonais PS1. PS2. Donc, merci Julien, c'est une bonne acquisition pour moi. Oui. Ensuite, ta gueule. Ensuite, un porte-clés Donkey Kong Country. Voilà. Sympa. Un tour de coup Switch Nintendo Labo. Nintendo Labo, voilà. Coco. Tu me donnes plus rien, hein, je me sers tout seul. Ouais. Un jeu PSP eSport Fighting Night Round 3. Fight Night 3. Ensuite des jeux Game Boy. Game Boy. C'est quoi ça? Le Roi Lion. Tarzan. Oui, Tarzan. Ça c'est Game Boy Color. Hein. Tarzan c'est le seul Game Boy Color. Un jeu que je n'avais pas. Oh putain. Et que je viens de rentrer donc Super Mario Land 2. J'avais le premier, j'avais pas le 2. Doratrice.
Alleyway, alors ça je crois que c'est, dans mes souvenirs, c'est un jeu de casse-briques. Faut casser les briques. Ils sont fous ces Romains. Astérix. Bon, ça c'est un jeu de plateforme. Ensuite, donc c'est pas tout, il m'a offert aussi un petit cadeau très original. L'apéro des geeks. Un petit jeu de société, apéro geek. C'est un petit jeu justement pour... C'est dur. Pour les geeks, avec des questions assez pointues quand les même. Gros geeks. Un geek plus niveau que nous, un level plus haut que nous. Je suis obligé de le couper, sinon il va venir violence, machin, sur les enfants. Alors voilà, pierogi fabriqué par un mogwai pour des hobbits. C'est rigolo. Si vous comprenez pas, mogwai c'est un gremlin, et hobbit c'est un hobbit. Et surtout, n'articule pas, on a encore moins compris. Tu vois, c'est pas grave. Donc ensuite on a fait aussi des petits achats dans l'espace culturel. Alors qu'est-ce qu'on a ramené? Un Tekken 2 complet à 4,90€ en super état. Voilà. Et japonais c'est quoi? Il est Tekken. Il est mint. Comme je sais pas si ça se voit. C'est mint. Il y a pas un défaut quoi. Il est en super état. C'est écrit en japonais. État. Ensuite, un jeu Famicom, Hokuto no Ken 3, sur Famicom à 5,90€. Il a l'air nul et tu as raison, il est très nul en fait. Je crois que c'est peut-être le plus nul de la Famicom, de la série. On fera un test un jour, je pense que ça va être marrant. Ça va être nul surtout. Non, on va faire un test des jeux Hokuto no Ken. Surtout qu'il y en a un qui va sortir là sur PS4, ouais. Qui par contre est pas mal. Bah, un jeu complet sur Mega Drive, NBA Showdown. Showgirl. Si c'est pour dire ça, tu l'as fait. Moi, j'ai dit avec Patrick Ewing sur la jaquette. Et ouais, voilà, ça, c'est pour compléter la collection NBA. De jeux de basket. Donkey Kong Country 3D sur 3DS, ça c'est pour moi, c'est pas pour vous, vous avez pas intérêt à y toucher, vous me rendez la 3DS. Ah ouais, mais tu me la rendras, c'est qui te l'a donné? C'est moi. C'est moi. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'ai eu à Ajaccio, donc super. Alors pour tester les jeux japonais, je vais peut-être avoir recours à ceci que j'ai reçu, que j'ai gagné aux enchères pour même pas 15€. C'est un Action Replay PSA. What the hell? Sauf que il est il est japonais, donc j'ai peur que le menu soit en japonais et que j'y comprenne pas grand chose. T'inquiète, appelle même. Non, je rigole. Alors ça permet de jouer sur. Enfin, à l'origine, c'est fait pour cheater les jeux. C'est pour se rajouter des vies, rajouter du temps. Trop c'est, bien. Ouais, tu choisis les options, tu choisis toi-même ton nombre de vies, ce que tu veux. C'est génial. Voilà. Mais autre fonction, c'est que ça permet de jouer à des jeux copiés ou des jeux en import. Donc ça permettrait de jouer sur une PS1, on va dire, non pucée, à des jeux étrangers ou des copies. Et grâce à Julien qui m'a offert les jeux japonais, on va pouvoir faire un jour un test. On verra bien ce que ça donne. Alors à Ajaccio, on n'a pas fait que ça, on a fait le vide-grenier sur le, je sais pas comment ça s'appelle, le boulevard Rossigne, je sais pas, enfin c'est devant le gymnase du Pascal Rossigne, où tout le long du trottoir, il y a un petit vide-grenier. Alors, il y avait des choses plus ou moins intéressantes. Louis Vuitton. Très peu de rétro, malheureusement, et on est quand même tombé sur... Un jeu à, je sais plus, 2 ou 3 euros. 1 euro celui-là ? N'en doute. 2 je crois. 2 euros, donc un Tekken 4 aussi, complet. On a acheté un livre pour toi. Oui, mais le livre on l'a pas là, donc on va pas le montrer. Ils s'en foutent en plus. Les gens des un livres. Un livre bleu. Oui, mais ils s'en foutent des livres. Ce qu'ils veulent voir, c'est des jeux vidéo. Non. À part si c'est un livre sur des jeux vidéo. Et là, donc Tekken 4 avec un DVD supplémentaire. 9 euros. C'est un DVD, c'est pas des démos, c'est des vidéos du catalogue. Comment ils appellent ça? Du catalogue SCEE. Ça veut dire quoi? J'en sais rien. SCEE, je pense que c'est la société qui distribue Tekken. Ferme-la. Ensuite, hier on a fait un petit tour à la décharge. Et qui était dans la benne? À la déchetterie. Moi. Surtout qu'il faut pas le dire, normalement on n'a pas le droit. Ok. Mais on a récupéré deux manettes Logitech. De la forme un peu PlayStation, on va dire, bleu un peu transparent.
On a récupéré. Voilà, on en a pris deux, donc en USB. Et il y avait, par chance aussi, une manette GameCube officielle. Bon, c'est ça qui m'a fait tilter. Hein. Dès que je l'ai vu, j'ai fait « Oh putain, un fil dans la benne !» Et je l'ai jeté dedans et on a récupéré ça. Bon, elle est pas en super état. Je crois que les boutons, on va falloir les changer. Mais bon, plutôt propre. Plutôt propre, nettoyer un petit peu. C'est juste pour ça que je... Voilà, et enfin, vide-grenier ce matin. Alors, j'avais plus d'argent. J'ai tout dépensé à Ajaccio. Il me restait 5 euros. Non, il me restait 8 euros, je crois, en pièces. Et sur un stand qui vendait, le seul stand qui vendait des jeux GameCube, il y avait Shrek Super Slam, je crois, et celui-là. Alors, je demande à la dame combien les jeux. Elle me fait 5 euros. Alors, je fais encore un petit tour du vide-grenier en me disant peut-être qu'on va trouver autre chose de plus intéressant ailleurs. Et il n'y avait rien d'autre de plus intéressant que ce jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil. Alors, que je ne connais pas. Que je ne connais pas du tout. Mais. C'est un jeu que je connaissais pas du tout, mais je me suis dit voilà, par curiosité, on va quand même l'acheter et le tester parce que ça me permet en même temps de vous parler du concept de nos prochaines vidéos au vide-grenier. Donc après la rentrée, on va lancer un nouveau concept pour les lives vide-grenier, concept qui commence peut-être un petit peu à s'essouffler chez certains. Ce sera une caméra cachée, oui. On partira par contre avec une somme prédéfinie. Aujourd'hui j'avais 8 euros uniquement. Peut-être que la prochaine fois on n'aura que 6 euros ou 5. Et le but c'est avec cette somme, cette petite somme, trouver un jeu ou deux. On achète, on teste le jeu ensuite et on fait après un test quoi. Ce sera surtout vous qui serez aux manettes. Bah moi oui, je serai à la caméra. Voilà, vous donnerez votre avis. Alors ça pourrait, j'espère qu'on tombera sur des jeux plus rétro que ça, mais bon, c'est déjà bien un bon petit jeu à tester, ça. C'est un Zelda à 5 euros. Et donc, c'est le concept qu'on va développer. C'est un Zelda à 5 euros. On vous donnera. En plus, il y en avait un sur Wii, mais je l'avais déjà, je crois. Donc, j'ai pas voulu le prendre. J'ai préféré m'aventurer plus sur un jeu moins connu. Voilà. Alors, peut-être que vous connaissez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être acheter un nouveau jeu, Stilton. Ah mais non, mais ça c'est le jeu, ah oui, bah tiens j'en profite, ça c'est le fameux jeu que j'avais commandé, vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook, Steel Talons, sur Atari Lynx, sur la portable, donc j'ai voulu acheter un jeu Lynx. On peut le faire. Attends, tu me laisses parler? Il était neuf sur eBay pour je crois 7 euros pour inclus. Je me suis dit bingo, pas trop cher, en plus neuf. Et ce qui m'embêtait, bon, c'est qu'il était vraiment neuf. Il aurait fallu l'ouvrir et tout ça. J'ai dit je le commande quand même pour la collection, il est tellement pas cher. Sauf que j'ai même plus à hésiter parce que la douane, demande à l'enveloppe là. Non, c'est bon, là, j'arrive à l'attraper. Parce que la douane, regardez, ils se sont permis de l'ouvrir. Alors, ils ont ouvert mon colis, ils m'ont mis un petit scotch ouvert par la douane. Hein, vraiment sympa, bon enculé. Et ils se sont même permis d'ouvrir le blister ici même. Regardez, ils se sont permis d'ouvrir le blister pour vérifier s'il n'y avait pas de la drogue dedans. Hein, au lieu de le faire sentir au chien, non, hein. Putain, c'est pas possible. Alors, ils m'ont ouvert le blister. Donc, de 7 euros, on passe à 1 euro. Plus de valeur, plus rien. Heureusement que c'était pas un Zelda ou un jeu hyper coté, quoi. Imaginez un GoldenEye, que vous commandez un GoldenEye sous blister, que le type cutter. Non, pas de drogue, c'est pas grave. Hop, on lui referme, on lui met un scotch. Oui, on lui met un scotch. Ah, mais lui un bonbon, je lui mets un bonbon. Vous allez faire brosser sa gueule. Alors, messieurs les douaniers. Allez-vous. Si, franchement. Si vous m'auriez fait ça sur un Zelda. Je pense que je serais venu avec une batte de baseball vous défoncer la gueule. Franchement, non, on n'est plus sûr de rien, quoi. On prend un vrai risque à commander sur Internet. Là, c'est quand même... Je sais pas, ça aurait été un genre loose, je m'en fous, mais... Aller jusqu'à ouvrir le blister, mais vous pensiez quoi? La drogue. Je sais pas, mais c'est prendre... Franchement désolant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu sortir le jeu et on va pouvoir tester la Lynx qu'on a rentrée. Moi,
qu'essaye. Ouais, on verra. Oui. Donc voilà, c'était notre dernière vidéo avant la rentrée, je pense. Non. Il y aura peut-être la petite vidéo anniversaire. Vous avez encore le temps parce que je suis encore sur le montage de cette vidéo anniversaire. Je sais que ça fait 2 mois que c'est l'anniversaire. Mais ça vous permettra de m'envoyer, comme j'avais demandé, des petits messages vidéo que je voudrais intégrer au montage. Si vous voulez nous envoyer un petit message d'encouragement, de félicitations ou d'insultes. Ça nous fait fort. Voilà, vous pouvez envoyer même un petit message d'insulte et je vous jure que je le mettrai dans la vidéo. D'accord ? Mais à visage découvert, les gars. Et avec votre nom ou pseudo en dessous, d'accord ? N'hésitez pas, donc... N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, après la rentrée, pour notre nouveau concept de live vide-grenier. Et... Ils essaient du collège. Personne ne voit. Ils vont se faire des photos. Allez, au revoir, à bientôt.